Salut les sandwichers. Salut les sandwichers. Ça va, Ivory? Ça va, la bam. Très bien. Alors, on se fait des checks maintenant. Check. Comme ça, on est des ouf. On a le pass sanitaire, mais c'est coup de poing quand ouais, même. Grave. Les copains, aujourd'hui, un test de sauce. La sauce made in France. Ben ouais, parce que qui dit burger, qui dit sandwich, dit sauce. Forcément. Sauce. Voilà. La sauce made in France, sauce piquante.fr, les sandwichers. Voilà. Le lien dans la description. Il y a un petit code qui s'affiche à l'écran. Si toutefois ça vous intéresse, on va tester tout ça. Ouais, on remercie Laure. Laure, merci beaucoup. Tu as été hyper sympa. Cool. De nous envoyer tes sauces. Alors, c'est la marque Hellicious. Donc, voilà. Délicieux en enfer. Exactement. Voilà, le délice de l'enfer. Un alors, design franchement, top. Ouais, les bouteilles elles sont hyper belles. Je pense à nous, on a kiffé. Je sais pas, c'est des petites plaquettes d'étain qu'il y a dessus, là, avec la petite tête, ça claque. Le packaging est top. Maintenant, on reste à découvrir le contenu. Ah. Je pense qu'on va pas être déçu. Est-ce que ça va piquer ou pas? On va voir, ça pourra bien arriver. Alors voilà, vous connaissez tout sur saucepiquante.fr. On va pouvoir passer à l'action. On va se goûter ça simplement aujourd'hui. On utilisera dans d'autres recettes les sauces. Ouais. Mais là aujourd'hui, on va se les tester comme ça, pur, avec un petit morceau de pain si besoin. On a fait griller des petites tranchettes de pain. Voilà. On va faire ça. On va goûter aussi à la cuillère parce qu'on va prendre le risque. On va prendre le risque. Ouais. On a un petit peu d'eau qui traîne quelque part. Moi, j'ai pas peur. Perso, il a pas peur. T'étais pas parti chercher de l'eau toi? Ah mais j'ai vu le robinet. Oh, on va mettre de l'eau. Bah attends, on va se faire défoncer la gueule. Bah, vas-y, on va chercher de l'eau. Une bouteille d'eau, on sait jamais. Bien, Grégory, tu commences par là, je ferai l'autre partie. Bah bien sûr mon cher Arnaud. Allez, alors, on commence par quoi? Alors donc la première, sauce jalapeño, rhum et citron. Alors sur les autres sauces, il y a un petit indicateur de puissance. Sur celui-là, il n'y en a pas. Ça veut dire que ça pique pas, je pense. Hein. Bon, un petit peu légèrement, je crois. Voilà. Alors, donc ça se mange délicieuse avec moyennement. Ah, si, c'est marqué là. Moyennement piquant. Moyennement piquant. Bon. Alors, délicieuse avec poulet, œufs, huîtres, crevettes et poissons. Bon, avec plein de trucs, quoi. En fait, petite sauce accompagnement pour les viandes, poissons. On va tester ça tout de suite. On y va? On commence par celle-ci ou pas? C'est parti. Allez, go. Action. Alors, ma chère Laure, on va te dire ce qu'on en pense. Voilà. Allez, donne ta cuillère, mon gars. Hop, un petit peu. Déjà, ça sent. Une petite goutte. Ça sent très bon. On va voir les gouttes qui se mettent. Non, parce que j'aurais peur que des fois, ils mettent des gousses un peu plus grosses. Alors, jalapeño, moi, j'habite au Mexique il y a pendant plusieurs années. Jalapeño, là-bas, c'est la base. Hein. C'est bon. C'est pas pour ça que j'en mange tous les jours, loin de là. Mais, j'aime bien quand même. C'est bon, c'est déjà moyennement relevé. Relevé quand même. Ouais. Effectivement, avec des huîtres, ça va être très sympa. Mm-hmm. J'aurais pas forcément pensé à crevette effectivement. Les œufs. Bien. Et alors, c'est bien parce que la sauce, en fait, elle est bien équilibrée. C'est pas juste ça pique et puis on sent que le piment, on sent que la recette. Voilà, la recette, elle est bien faite. Il y a des poivrons frais dedans, vinaigre, sel, oignon. Non, franchement, nickel, 1% de rhum, ça claque. Très bonne sauce. Ça prépare le palais pour le reste. Hellicious, jalapeño, jalapeño, rhum et citron, on valide. Allez. Allez, on next. Bon, là, on est plus sur des purées, là. On va se marquer dessus, purée. Ají amarillo, purée. Donc, piment, ají amarillo, frais et du vinaigre. Recette très simple. Ça se mange avec quoi? Avec des sandwichs, dans des burgers, ça doit faire une tuerie, un truc de ouf. Allez, c'est parti. On utilisera tout ça dans les prochaines recettes. Ouais. Aujourd'hui, c'est test brut. Juste pur test, exactement. Allez, fais voir ta cuillère, mon gars. Voilà. Ah, ouais, là, on voit un peu plus celle-là. Mm-hmm. Bon, petite goutte, on prend pas trop de risques. Hein. Mais bon. Alors, on y va. On a toujours des bons parfums. Une goutte. Mmh. Oh, c'est pas mal. C'est frais. Ah ouais, grave. C'est frais. Bon, par contre, ça... Ouh, ça commence à... Ouais, ça envoie un peu plus. Hein. On est sur du moyen. Je pense que là, on va se faire une petite suée vers la fin. Alors, c'est du moyen, mais ça pique un peu plus que le jalapeño. Ah oui, oui, ça pique plus, ouais. Ça pique plus, mais c'est frais, c'est parfumé. Mais ça a bon goût, intéressant, ouais. Intéressant, carrément, ouais. Intéressant. Ají amarillo.
peut être intéressant de diluer ça même éventuellement dans des sauces, des crèmes. Ouais. Mais après, ceux qui aiment bien piquant sans exagérer, très bonne option. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, franchement, franchement, j'ai bien aimé. On va s'adoucir le palais. Alors, on va faire une petite pause. Voilà, un petit barbecue rhum antillais. Ouais. Regardez ça. Alors ça m'intéresse. Ça va être pas mal. Toi, t'aimes bien le rhum, toi. Bah, c'est pas, je suis pas un fou du rhum. J'aime bien ça, mais j'avoue que l'association là, petite sauce barbecue au rhum, ça va être sympa. Ouais. Alors ingrédients naturels, bon ça on savait. Spécial ribs, une sauce à badigeonner. Ah, je l'ai goûté là, badigeon. Une bonne recette, sucre, sauce tomate, vinaigre, du rhum, 10% de rhum, pas mal. Non, on bégote pas sur la quantité, hein. Saucepiquante.fr. Bam, saucepiquante.fr. Allez, vas-y, faire ta cuillère, saucepiquante.fr. On avait prévu du pain? On n'a même pas mangé encore. C'est bon. Ça c'est super bon. J'en garderai une cuillère pour après. Grave. Là. Allez, grave. C'est très très bon. Ça claque, c'est super. Regarde, bon, c'est quoi, j'en mets sur un bout de pain. Ah ouais. Voilà. Ça tape ça. Delicious, delicious. Goût de fumée léger. Ouais, grave. Un bon goût de sucre. Ouais, t'as cool. Du pain à trous, hein. C'est cool. Pas mal, allez. Allez, next. Next. C'est parti. Le bon, très bon. Allez, on va passer sur la barbecue. Miel et moutarde. La couleur est tamme. Ouais, putain, ça claque. Ah ouais, c'est trop bon. J'avoue que celle-là, elle est excellente. Ouais, mais les autres aussi. Hein. On n'est pas sur les mêmes. Là, on est vraiment sur la convergence de viande. Et on n'est pas sur du piment, quoi. C'est juste que là, ça pique plus, mais c'est très bon. C'est excellent aussi. Ouais. Sauce barbecue, on continue. Allez. Ça pour accompagner les salades, il y a du piment dedans ou pas? Alors, regardez ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Moutarde d'Alsace, 41%. Eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, épices naturelles. Ok, bisulfite de sodium. Miel IGP, Alsace, 20%. L'Alsace a son miel. Jus de citron, vinaigre, ail, sel, gingembre, herbe de Provence. Ça pique pas? Il n'y a pas de raison que ça c'est une bonne sauce à salade, ça. Salade, poulet, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Oh putain, c'est bon. Franchement, je suis... Ouais, on sent bien le gingembre. Le gingembre, il... Ah, bah, les saveurs, elles sont terribles. Ah ouais, grave. Ouais, c'est pas comparable, les deux, là, mais c'est très, très, très bon. Tiens, regarde. Regarde ce que je vais faire. Bon. Alors... Ouais, excellent. Validé. Ça c'est très bon. Très très bon. Bon, on a fait la petite pause du palais des papilles. On va rattaquer. Oh! Ah oui, extrême. On va terminer avec ça. Extrême. La sauce qui arrache la gueule, grave. Allez. Allez, go. Habanero, purée. Alors on passe sur du fort. Qu'est-ce qu'on a dedans? Habanero. 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 Frais, ouais. Vinaigre. Simple, mais destructeur. Allons-y. Alors? Alors, mais je vous attends, mon ami. Allons voir un petit peu. C'est bon? C'est bon, le bon, le bon, le bon. Alors là, ça va piquer un peu plus, ça. Foie. Allez, vivant. Ah, t'as pas tout mis, toi. Oh, alors. Fini ta cuillère. Oh, putain, alors. Maman. Ah, misère. Foie. Ah, ouais, alors là, il y a du parfum. Mais il n'y a pas que du parfum. Alors là, je vais prendre le petit morceau de pain. Oh, putain. Ah, c'est du lourd, ça. Ah voilà, habanero, fer, vinaigre, putain. Hey, ami sandwicher. Ah, si
Si tu aimes le piquant, cette sauce est faite pour toi. Ah, elle est faite pour toi. Oh, oh putain, claque. Ah mais mange ça, va. Ouais, non, c'est, ça pique trop. T'es sérieux? Ah, je te jure. J'ai fini, oh, j'ai pas, moi j'ai pas fait la loca. Je t'en ai donné juste un petit peu. C'est moi qui ai servi, que tu dis. Finis ta cuillère là-bas. Non, ça pique trop. T'es sérieux? Ouais. Mets-moi la petite larme là. Mon fou, une gamin avec la larme. Bon, le mec il habite au Mexique, c'est vrai. Mais là-bas, il mangeait pas grand-chose, quoi. Ouais. Bon, bah, vas-y, essuie ta cuillère avec ta bouche. Oh, merde. Allez, next. Faut préparer la suite. Bon voyage. Ouh. Fouah. Oh, putain. Non, j'avoue, là, on passe sur un degré quand même... Ouais, il est lourd, là. Méga puissant. Ouais. C'est bon. Merci Laure. Merci Laure. Tu nous fais rêver là. Donc on était du fort et on va passer sur extrême. Extrême. Ouais, on va mourir. Oh. Alors qu'est-ce qu'on a dans le Reaper? Le Reaper, nous avons Coralina Reaper frais vinaigre. Oh, ça me rafle encore la gueule. Oh, j'ai la gorge. Oh putain, j'ai du mal à m'en... Vous savez quoi ? Boire un petit peu d'eau. Pareil que c'est pas l'idéal, mais... Ah ouais, ça arrache grave. Ouah, à l'instant, ça fait du bien. Tiens la bam, ça va pas te faire de mal. Merci. Bien. Saucepiquante.fr, tu tiens tes promesses. Ah, bah voilà. Ça va mieux. Ouais, ça dure 10 secondes. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on continue ? J'ai le nez qui coule et tout, j'ai... Ouais, grave, moi aussi. T'as pas un mouchoir ? Non, pas là, non. Tant pis, on va renifler jusqu'à la fin, le sandwicher. Ouf. Allez, on va tester le Reaper. Grégory, je t'en mets une toute petite goutte ou... Ouais, une... J'essuie ma larmouille. Toute petite. Ah oh, putain, attends, je m'en remets. Ah, on peut faire une pause, hein. Ça arrête, c'est grave. C'est quoi les sandwichers ? Hein. Je vais faire une pause. Moi, je vais me prendre celle-là. Je peux pas passer à l'autre. J'ai bien aimé celle-ci. Franchement, elle arrache sévère. Ouf. La banero forte, putain. Oh, putain. Un petit peu de douceur. Ça fait du bien. Non, là, ça fait du bien. Franchement, j'aime épicé, mais là, ça commence à taper. Là, c'est pas épicé, j'aime pimenté. Et vraiment là ça cogne. Hein. Ouais mais après c'est pas mauvais en soi. Enfin. Non mais. Une fois on avait goûté, tu te rappelles, on avait goûté un piment. On en prenait une mini goutte, c'était horrible. Et ça avait pas de goût, c'était juste du piquant extrême. Là ça pique fort. Ouais. Mais ça a du goût, enfin c'est-à-dire c'est pas dégueulasse, c'est au contraire, ça a très bon goût. Ça pique très fort, mais ça reste très bon agréable, parfum. Voilà. Très bon parfum. Ça reste parfumé. Voilà. Bon après c'est pareil, on mange ça brut sur une cuillère, on joue un peu foufou. On joue avec le feu. On joue avec le feu, bien joué. C'est juste. Vraiment j'ai le nez qui coule là. Ouais moi aussi. C'est pas grave. Ouais, avec celui-là, on va peut-être saigner du nez là, tout simplement. C'est... On y va ? On y va ? Non ! Tu y vas ? Non ! Attends, tu regardes ce que tu fais, parce que je voudrais pas que tu manges dans les yeux de celui-là. Non ! Attends, regarde bien ce que tu fais, vraiment, parce que ça touche ta cuillère. Une goutte, hein, une mini goutte que dalle. Rien que ça. Montre à la caméra. C'est quoi qu'on a ? Bon, bah là, très clairement. On la joue sécure quoi. Et encore. Même avec ça, je crois qu'on prend des risques. Oula ! Oh là là, là, là. On est bien. Reaper. Allez, je te regarde faire. Je veux voir un petit peu ta réaction. Prends pas tout toi. C'est marrant, c'est comme ce truc. Mais mets tout, qu'est-ce qu'il y a ? Ah bam ! Allez, je mets tout. C'est bon. T'as vu tout ? Surtout qu'il n'y avait pas grand chose, on n'est pas des fous non plus quoi. Eh mais attends, il y avait un gros morceau de piment là, dans ce petit truc de rien du tout. On n'a pas mangé la même chose. Mm-hmm. Ah. Oh. Oh.
Oh. Tu souffres? Je laisse passer le feu là. Ça me contracte là. Il est fort? Il est fort, mais il est bon. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai pas la même sensation qu'avec l'autre. Pas du tout pareil. Non mais là c'est... Là en fait c'est la bouche et la gorge, les lèvres et la gorge. En fait j'ai envie de baver là. Ah putain c'est fort, ça vient après, ça monte là. Ah, ah ça monte là, et on a pris une toute petite goutte. Sandwicheur, si tu aimes le piquant. Ça c'est pour toi. Oh ça arrache. Ah, j'ai le nez qui coulera là, ça y est. Ah putain. Oh. Oh. Ah c'est trop fort. Oh. Voilà, ça tape là. Non. C'est pas le mieux de boire de l'eau. Hein. Mais on a l'impression que ça, c'est bien. Bah la santé, oh, c'était bien. Oh, merci Laure. Laure, merci beaucoup. Je comprends mieux pourquoi tu signais tes mails d'un amitié piquante. C'est comme ça que tu vas. Ah. Waouh. Oh putain, ça pique. Bon, après, forcément, on mange à la cuillère. Un peu normal. Enfin, on n'a pas mis beaucoup dedans quand même. Mais on a mis que dalle, quoi. Ça brûle les lèvres, ça brûle tout, là. Tout ce que ça touche, ça brûle. Ça brûle la langue. Bon, bah, ça fait la sauce, ça fait le job, quoi. Clairement, elle dit que ça pique extrême, bah ouais, ça pique extrême, putain. Félicitations, Helly Shoes, vous faites du bon boulot. Grave. Franchement, vous avez rempli la charte de la sauce qui pique, vous l'avez rempli. Oh la main, j'ai des petites larmes qui se pointent à gauche, à droite. Ouais, moi aussi, là il y en a pas mal. Là. Les sandwichers, on espère que cette petite démonstration de sauce piquante Delicious vous aura séduit. C'est une expérience du moins fort au plus fort en passant par les sauces barbecue. Pour info, vous irez faire un tour sur notre compte Instagram. On vous met le lien juste ici, les sandwichers. Ouais, il y aura une petite surprise sur Instagram. Petite surprise. Très prochainement. Ouais. Allez, dans la semaine qui suit, dans les 10 jours, 15 jours max, rejoignez-nous. Vous allez voir ce qui se passe. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de notre partenaire saucepiquante.fr. Voilà. Un code réduction qui s'affiche juste dessous pour bénéficier de 10% de remise. Oui, messieurs, dames. Demandez-leur éventuellement une petite bouteille d'eau en plus pour qu'ils me l'enverront. On vous dit à très bientôt. On explorera toutes ces sauces plus en profondeur dans des nouvelles recettes. Ouais, on vous dit exactement. À bientôt les sandwichers. Merci saucepiquante.fr. Bye. Allez, bye bye. Ciao, ciao.